bienvenue à tous. Nous sommes sur l'avenue des Champs-Élysées. Derrière moi se trouve l'Arc de Triomphe et juste en face, nous avons la place de la Concorde où justement se trouve une fan zone. Nous allons vous faire découvrir la magie des JO. Suivez-moi. Bonjour. On peut vous poser une petite question par rapport à... Je crois que vous êtes athlète. Foot, basket. Vous avez joué dans l'équipe de France. Vous avez fait les J. Vous avez fait. Je crois que je vous reconnais. En fait, je vais demander quoi. Les JO à Paris, déjà, comment vous vous sentez? Comment ça se passe pour vous? Je vois que vous faites des photos, etc. Dites-nous un peu. Moi, je suis super euphorique, super contente de l'ambiance qu'il y a actuellement. Voilà, super contente de nos athlètes qui perfent. Je suis contente, très contente d'être là et très contente d'être à Paris et fière de ce que la ville de Paris a réussi à faire sur ces JO. Je pense que vous êtes une athlète, ancienne athlète. Tout à fait, je suis toujours en service, je suis athlète de l'équipe de France 3-3, membre de l'équipe de France 3-3. Donc j'encourage les copines actuellement qui jouent à la Concorde et allez les filles, on continue, on s'accroche. Merci beaucoup, comment vous appelez? Milapi Marie-Michel. Et vous faites Basket 3-3. Nous poursuivons notre balade sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous avez juste sur ma gauche le Grand Palais où se déroulent les compétitions d'escrime notamment. Et juste sur ma droite, la boutique officielle des JO Paris 2024. Jour de fête. C'est quoi? Youpi! Allez, coupez! Vous êtes à Paris pour les JO, j'imagine bien. Comment ça se passe? Très bien. On revient de voir une épreuve ici. On a regardé le basket. Un peu déçu que les Français n'aient pas gagné, mais bon, voilà. Vous avez vu où? Juste à la Concorde. Tout à fait. À la Concorde. Comment c'était l'ambiance, etc. C'était chaud. Il y avait des ambianceurs, des chauffeurs, et puis donc du coup, on a passé un bon moment. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. On a fait le basket 3-3, et après on va au Trocadéro, au Palais de Tokyo. Vous avez fait un peu de fan zone, vous avez vu un peu l'ambiance, etc. Un petit peu, mais là dans la journée, une journée c'est un peu court. C'est chaud le basket. Très oui. Bien, 4 matchs, oui, parfait. La super France. Bien. Ouais. Voilà. Mais on le connaît le soleil chez nous. Ça va, hein. Ouais. Vous êtes habitués. Oui, tout à fait. Merci à vous. C'est là, ici. Sur le fleuve de la Seine où s'est passée la cérémonie d'ouverture des JO Paris 2024. Inédit dans l'histoire des JO. Ce n'est pas beau ça? Toujours sur le chemin de la fan zone, c'est un immanquable, la flamme. Nous l'avons juste derrière nous. Alors, elle est 100% électrique. La France a insisté pour avoir une flamme écologique. Vous la voyez, elle est admirée tous les jours par plus de 10 000 spectateurs ici, juste à côté du Louvre. Ce n'est pas magnifique? Yeah.
est là pour aujourd'hui, mais pour venir à la fan zone. Mais bon, on voit que c'est fermé, peut-être que ça ouvre à 17h. Ah, vous venez de Lourdes jusqu'ici? Oui, oui. C'est un chemin quand même, hein? Bah, c'est le train, hein, ça va. Bonjour, ça va? Ah ouais, vous venez d'où? De la 77. Du 77? Ouais. 94. Et toi, 94? Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur le parvis? Parce qu'on est venu voir un peu nos athlètes français, là. Faut les supporter. Surtout Léon. Léon le roi, le GOAT. Le GOAT, Léon. Et comment ça se passe actuellement? De quoi? Peut-être pas pour le moment avant la... Ah, franchement, moi je regarde tout, hein. Je suis tout là, je suis à donf. Les BMX aussi, là, je regarde bien, je regarde tout. Et vous aussi, vous avez nouveau à Léon? Par chance? Ouais, c'est ça. Là, ce soir, c'est la finale, c'est pour ça. Parce que après, on a regardé entre potes ces derniers temps. On a des sites à côté de chez nous, tout ça, mais on s'est dit, c'est bien de sortir sur Paris comme ça. Il fait beau en plus. Tout le monde est heureux. Donc, c'est parfait. Vous êtes de la région Île-de-France, donc vous n'êtes pas parti, vous êtes resté ici pour les JO, c'est cela? C'est ça. Bah moi je pars demain en vacances, mais la majorité des gens qu'on connaît, il y en a pas mal qui sont restés pour justement assister à tout ça. En vrai, on le sait pas tout le temps, quoi. Donc c'est tous les 4 ans, ça fait 100 ans que ça n'est pas arrivé, donc on en profite. C'est inoubliable, hein, c'est ça? Ah ouais, franchement là, il y a une bonne ambiance et tout. Tout le monde est uni et tout, c'est beau, c'est très beau. Super, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Vous êtes quel média? Alors c'est cette info, c'est un média ivoirien. Ok. Vous restez à la Côte d'Ivoire? Ouais. Vous en pensez quoi de la Côte d'Ivoire? Bah, moi j'ai des amis ivoiriens. Enfin, j'ai joué avec pas mal de gens ivoiriens et tout au foot, tout ça. Donc je connais un peu. Ils sont comment? Ils sont chauds? Ils sont. C'est quoi, ils sont bouillants? C'est 225, non? C'est ça. Je connais très bien, tu vois. Bah ouais. Hein. Ah. Moi, ceux qui étaient dans mon club, ils étaient bouillants. Ah, t'as vu? Vraiment. Ils sont chauds, hein? Vraiment, vraiment. Vous voyez ce monde derrière moi, ils attendent tous pour entrer. Et je pense que ça sera un moment inoubliable de vivre ces JO. Pas depuis les stades, mais depuis une fan zone ici en plein cœur de Paris. Bonjour, vous êtes venu pour la fan zone? Oui. Ça va se passer comment? Je sais pas, mais ça fait une heure qu'on attend quand même. Une heure? Bah oui, il faut bien rentrer, hein, maintenant. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous attendez une fois dedans? Comment vous allez encourager les Français depuis le Paris? J'encourage tout le monde, tous les sportifs, tous les vrais sportifs. C'est super ça. À tout à l'heure. Et vous venez d'où? J'habite à Paris. Ah, vous êtes parisienne, vous n'avez pas quitté Paris, vous êtes restée? On dirait pas, hein. Vous avez vu, hein. Je suis maline, hein. À la fraîche, hein. Allez. C'est bon, merci. Bonne journée, merci. Merci. Ça y est, nous y sommes, la fan zone du parvis de l'Hôtel de Ville. Voilà derrière moi l'écran qui nous permettra de suivre en direct les retransmissions. Et c'est tout de suite. On va voir quelqu'un tout de suite. Vous avez attendu avec nous tout à l'heure. Maintenant, nous sommes à l'intérieur. Comment vous vous sentez? Eh ben, j'attends que le public s'emballe. Et voilà, j'attends la finale de Marchand ce soir. Et le volet. J'ai regardé le score pendant qu'on attendait avec vous. Et c'était un peu compliqué pour le moment. Donc j'espère que la France va se réveiller. Et vous venez d'où pour suivre ici en direct? Je viens de Colmar, en Alsace. Voilà. C'est loin, hein? Ouais. Mais bon, c'est un moment important, donc on est là. Et pourquoi vous avez choisi la fan zone? Bah parce que tout simplement, j'avais pas de place pour le volet, la finale de Léon Marchand, donc je me suis dit autant vivre ça avec les autres supporters français. Donc voilà. Merci. Merci à vous. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Olivier. Olivier, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui sur ce parvis? Alors aujourd'hui, on est en train de faire une petite démonstration d'initiation de savate boxe française. Il faut savoir que nous sommes sur la fan zone du parvis de l'Hôtel de Ville et vous, en fait, vous animez, c'est cela, avec les grands et les petits? Absolument, on a fait d'abord une petite démonstration pour montrer un petit peu ce sport qui n'est pas toujours très connu. Pas encore sport olympique, même s'il a été en démonstration en 1924. Et puis là, on vient de lancer depuis 20 minutes maintenant, une petite initiation pour faire découvrir au plus grand nombre, des tout petits jusqu'aux plus grands et aux plus âgés. Il n'y a pas de souci pour tout le monde, une initiation ici sur le parvis de savate boxe française. C'est mieux d'être dans une fan zone où on peut faire tout ça en même temps, non?
Et d'abord, on a une bonne visibilité, les gens sont là pour ça, il y a une ambiance festive, les gens sont peut-être venus faire autre chose, mais ils ont cette curiosité et viennent nous voir. Donc, c'est vraiment l'idéal. Et puis, évidemment, dans ce contexte-là, on a tous l'impression de participer aux Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est des athlètes de haut niveau, mais c'est aussi et surtout une grande fête populaire pour tout le monde. Merci beaucoup. Alors en fait, ce qui est bien cette fan zone, c'est que on peut nous aussi s'initier à des jeux, c'est ça, à des sports de compétition. Donc là, c'est un petit travail de précision pour c'est un petit peu l'escrime, en tout cas, sans nom d'escrime. Donc petit travail de précision sur des cibles avec des armes. Ah, voilà. Super. Vous allez nous apprendre comment ça marche, parce que moi, j'ai jamais fait d'escrime. Hein. Bah, c'est pas grave, c'est pour ça. Là, il y a quasiment que des débutants qui viennent justement essayer de découvrir un petit peu. Bah, c'est super, je suis au bon endroit. Alors, on commence par quoi? Alors, je vous laisse d'abord prendre une épée. Alors le principe, c'est donc qu'il va y avoir sur la cible des lumières rouges qui vont s'allumer. Okay. Et donc le but, ça va être de toucher cette cible avant que ça s'éteigne. D'accord. Et donc vous allez avoir comme ça 10 cibles à la suite aléatoirement sur les cibles. Okay. Voilà. Je mets comment? De face, de profil? Alors du coup, l'arme, si vous êtes droitière, vous allez la prendre le pouce dessus ici. Ah, vous la prenez un petit peu plus sur la cible. Parfait. Ensuite là, le pied droit devant, ça c'est parfait. Et alors le but quand vous touchez, c'est d'allonger et mettre un petit peu d'impact. Vous voyez, vous voulez que la petite pour qu'il y ait un petit peu d'impact avec vous. Et là, vous voyez que la position n'est pas facile. Ok, voilà. D'accord. Ok. Après, vous pouvez avoir un petit peu de là, vous aurez le temps de réaction moyen. Okay. Hop, c'est parti. Là, ouais, ici. Oh ah, vous allez voir, c'est très dur au début. Ouais. Ici, là, en bas. Voilà. Et là, on a le soleil en face, donc en plus, c'est pas facile. Ici, voilà, parfait. Oh. C'est nickel. Là, vous avez vu, petit bif qui vient dire. Allez, deuxième, voilà, vous pouvez retoucher aussitôt. Ok, d'accord. Okay. Là, trop tard. Alors, c'est pas facile. Très bien, super, c'est ça. Voilà. Oh, c'est super. C'est de pousser aussi, de l'aider, de l'accompagner au maximum. C'est comme si on était avec lui. Exactement, là on pousse, on essaie, on suit à fond pour qu'on puisse récupérer cette médaille d'or. On vient de Bordeaux. Ah, c'est super, vous avez fait quand même du chemin. Hein. Ouais, on va profiter des 15 jours ici pendant les Jeux Olympiques, on fait les 15 jours ici, donc ça va être merveilleux. C'est déjà merveilleux et ça va l'être encore plus. Merci beaucoup. Merci. Tenu, perds pas de cul. Oh!
trop bien. Il est trop fort, moi. Il est trop content. C'est plus beau, c'est plus beau. C'est vraiment le maître de ce sport. C'est le coach. Et ici à la fan zone, c'est comme si on était avec eux dans l'arène. On dirait on est dans l'arène. Ouais. C'est vraiment sympa de ouf. On n'est pas déçus. Hein. Ouais. On n'est vraiment pas déçus. Et allez, Teddy, allez, judo français. Ouais. Comment vous vous sentez ici, ouais, les JO? Teddy, t'es le meilleur. Teddy, winner. T'es un winner. Et ici, c'est comme si on était dans l'arène avec eux. Teddy. J'ai pas compris. On est dans la fan zone, mais c'est comme si on était là-bas. Ouais, le problème, c'est que ça crie là tellement fort, je vous entends pas. C'est tout pour aujourd'hui. C'était une journée dans Paris jusqu'à la fan zone du parvis de l'Hôtel de Ville. C'était super. Nous avons vu de l'ambiance, du monde. Franchement, il y avait tout pour plaire. Avec le chapeau de la victoire de Teddy Riner, franchement, c'était un régal.